Bonjour, aujourd'hui nous abordons le thème de la période d'essai pour les contrats à durée indéterminée. Alors, tout d'abord, la période d'essai ne se présume pas. Il faut donc un écrit entre les deux parties. Pour l'employeur, la période d'essai permet de juger et d'évaluer les compétences du salarié sur le poste pour lequel il a été embauché. Quant au salarié, la période d'essai lui permet d'apprécier si le poste lui convient. En l'absence de convention collective, le Code du travail prévoit une durée de 2 mois pour les ouvriers et les employés, de 3 mois pour les agents de maîtrise et les techniciens, et de 4 mois pour les cadres. Si la convention collective le prévoit, cette période d'essai peut être renouvelée une fois. Ce renouvellement doit être prévu par le contrat de travail et doit faire l'objet d'un nouvel écrit entre les parties. En effet, le salarié doit donner son accord pour ce renouvellement de la période d'essai. Vous souhaitez plus de renseignements? N'hésitez pas à nous contacter. Nous prendrons le temps de vous conseiller et de vous accompagner dans votre démarche. N'hésitez pas non plus à vous abonner à notre chaîne YouTube et je vous dis à très vite pour notre prochaine Uniflash.